Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube Tarbouyat مع الأستاذ محمد البخاري مرحبا بكم أعزائي الكرام عزيزتي الكريمات في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نكملوا السلسلة ديال فروض المراقبة المستمرة الصفية المرحلة الأولى الدورة الأولى الموسم الدراسي 2021-2022 بالنسبة للمستوى الخامس ابتدائي. كنت بديت معكم سلسلة ديال الفروض بالنسبة للمستوى السادس، درنا اللغة الفرنسية ودرنا كذلك الرياضيات والنشاط العلمي، ودابا السلسلة ديال اللغة الفرنسية بالنسبة للمستوى الخامس ابتدائي، درنا لا كومبريونسيون دو ليكري جوج ديال لي تيكست، ودابا عندنا لاكتيفيتي دو لا غرامير. كنتمنى انكم تزيدوا تدعموا قناة تربويات مع الاستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يبقوا يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم من دروس وفروض في جميع المستويات الابتدائية ان شاء الله. اذا مرحبا بكم. اذا نبداو على بركه الله. الفرد ديالنا ديال لا غرامير عندي هنايا 4 كيسيون غادي نحاولوا نجاوبوا عليهم جميع ان شاء الله. لا بروميير كيسيون انكادر لو غروب نومينال سوجي دون شاكون دي فراز سويفونت. شنو غادي ندير؟ غادي انكادري سيتادير غادي ندير واحد الكادر علاش على لو غروب نومينال سوجي صافي على الفاعل. دونك جو في فو لير لي فراز. il y en a 4 فراز. Omar va passer ses vacances au Maroc. Donc, qui va passer ses vacances au Maroc? C'est Omar. Donc, Omar, c'est le groupe nominal sujet. Hello, déroule ouh la barre. Comme ça. Donc, Omar, c'est un groupe nominal sujet. D'accord? Va passer ses vacances au Maroc, c'est un groupe verbal. D'accord? Ou alors, on a un groupe verbal. Il habite à Marrakech. Qui habite à Marrakech? Il. D'accord? Donc, il, c'est... C'est un groupe nominal. Donc, GNS. La phrase 3. Omar et Olivier se rencontrent à la sortie d'une usine de voitures. Ils se rencontrent à la sortie d'une usine de voitures. C'est Omar et Olivier. Donc, Omar et Olivier, c'est un groupe nominal. D'accord? Comme ça. Donc, groupe nominal sujet. Deux os maintenant, la quatrième phrase. Les deux jeunes parlent du Maroc. Les deux jeunes parlent du Maroc. Qui parle du Maroc? Les deux jeunes. Donc les deux jeunes, c'est un groupe nominal sujet. Groupe nominal sujet. D'accord? C'est un groupe nominal sujet. C'est très bien. Maintenant, passons à la deuxième question. Donc, on a quand même l'obtenu n'a pas qu'à le groupe nominal sujet. Ça fait? La deuxième question. Suivez avec moi toujours. Complète les phrases avec les indicateurs de temps suivants. Les indicateurs de temps. Aujourd'hui, à Lyon. Hier, à Bariha. Dans 3 jours, à Dithiltiyem. D'accord? Mon ami a pris son congé. Donc, had les indicateurs de temps qui t'alloquent les verbes. Donc, son gintabo. Qui t'alloquent les verbes. Bosh msarfin le passé, le présent, le futur. Regardez, mon ami a pris. Hada, c'est le verbe prendre. Msarfin le passé composé. Donc, c'est hier. D'accord. Hier. Donc, hier, mon ami a pris son congé. D'accord. Alberia. Il arrivera à Ifrane. Regardez, Aouchen. Il arrivera. Arrivera, c'est le verbe arriver, conjugué au futur de l'indicatif. Donc, au futur, chihaja, zama, admeja. Donc, dans 3 jours. Yanni, khilal, talat ayam lijay. Dans 3 jours. Dans 3 jours. Il arrivera à Ifrin dans 3 jours. D'accord? Il part en voyage. Donc, Hadim Chetli hier, Hadim Chetli aujourd'hui. Il part en voyage. Yanni, radi msafar, aujourd'hui. Aujourd'hui, à Lyon. D'accord? Donc, hier, mon ami a pris son congé. Il arrivera à Ifrane dans 3 jours. Il part en voyage aujourd'hui. D'accord? Donc, ce sont les indicateurs d'ILH, les indicateurs de temps. D'accord? Deuxièmement, la troisième question, suivez avec moi toujours. Souligne le groupe verbal dans les phrases suivantes. Donc, je vais dire, le groupe verbal, les phrases. La phrase A, B et C. La phrase A. Ce grand artiste réalise un beau tableau. La phrase B. Lina a fini sa toilette. C. Nous arriverons au Maroc mercredi prochain. Donc, où est le groupe verbal? Le groupe verbal, où est le verbe ou d'ekchi les mots là? Vous savez? Et les mots qui suivent le verbe.
Donc, ce grand artiste réalise un beau tableau. Que fait ce grand artiste? Réalise un beau tableau. Donc, réalise un beau tableau, c'est le groupe verbal. D'accord? Hada, c'est un groupe verbal. Groupe verbal. La phrase B, Lina a fini sa toilette. Que fait Lina? A fini sa toilette. Donc, a fini sa toilette, c'est le groupe verbal. C'est très bien. Ça, c'est groupe verbal. Nous arriverons au Maroc mercredi prochain. Que fait-nous? Arriverons au Maroc mercredi prochain. Ça fait? Arriverons au Maroc mercredi prochain, c'est le groupe verbal. Donc, pardon. Là, c'est le groupe verbal. Il a quand même un groupe verbal, il a des lépras. On dirait le groupe nominal, il a groupe nominal, il a groupe nominal. Ça fait? Groupe nominal sujet. C'est très bien. D'abord, nous avons la quatrième question et la dernière question. Dans chaque phrase, cool jumla, barre l'indicateur de temps qui ne convient pas. Radin attar, l'indicateur de temps, li machis hai. Ça fait? On va les hai. C'est bien. On fêtera l'anniversaire de ma sœur demain, bien hier. Les indicateurs de temps, le verbe, je me sers le futur, ou le présent, ou le passé, etc., etc. Donc, je vous le verbe. Donc, le verbe, on fêtera. Donc, c'est un verbe conjugué au futur de l'indicatif. Je me sers le futur de l'indicatif. Donc, je vais dire. Futur de l'indicatif, c'est-à-dire le mustaqbel. Donc, on fêtera l'anniversaire de ma sœur. Yani, radin ihtaflu bi'id milad dial ukhti. Fouqash, wach l'berh? On qoul l'berh? Ou là, on qoul demain? Demain. Donc, l'indicateur de temps li qui ne convient pas, c'est hier. D'accord? Hier, wali machi. D'accord? Donc, les passes. Donc, on fêtera l'anniversaire de ma soeur demain. B. La semaine dernière, aujourd'hui, à Lyon, toute la famille part en voyage. La ila kamla, mesham safra. Donc, la ila kamla, mesham safra. Par, c'est le verbe. Partir, conjugué, présent de l'indicatif, le présent. Donc, le présent, c'est-à-dire maintenant, c'est-à-dire aujourd'hui, tout simplement. D'accord? Mais il ne peut pas dire le mois dernier, la famille la kamla, mais chame safra. Non. Donc, naya, les qui ne convient pas, c'est la semaine. Donc, la semaine dernière. Naya. Donc, ce sont des indicateurs de temps. C'est bien. Donc, aujourd'hui, il est aujourd'hui, toute la famille part en voyage. La phrase C. Il y a un mois, l'an prochain, je passerai en sixième année. Donc, le verbe anayak, le verbe passé conjugué au futur de l'indicatif. Donc, ما دخلاش ولا اللي عندها ما عندهاش علاقة سي إليا سي بيان داكوغ دونك لان بروشان جو باسري اون سيزيام اني داكوغ جو باسري اون سيزيام اني وبعدا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم اللي كان كيتعلق بلاكتيفيتي دو لا غرامير بالنسبة للمستوى الخامس ابتدائي دائما ضمن الفروض المراقبة المستمرة الصفية الموسم الدراسي 2021-2022 دائما معكم في لي فيديو ديال الفروض بجميع المستويات الابتدائية ان شاء الله زيدوا دعموا القناة بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم كان معكم الأستاذ محمد البخاري والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته